facile de constater actuellement, et même ces derniers temps, et même les mois passés, hein, que nous avons pris énormément de puits dans des quantités assez importantes et surtout qui ont duré assez longtemps. On a quand même passé parfois certaines semaines où il a fait 3-4 jours de suite rien que de la pluie. Donc on voit bien que le changement climatique est opérant au Gabon. Ce n'est pas une vue de l'esprit de quelques personnes ou de quelques allumés qui sont des scientifiques qui ont dit qu'il y a du changement climatique. Hein, donc il faut bien comprendre que ce changement climatique est effectif et que si on n'y remédie pas, ben on souffrira tous, plus ou moins, de ces problèmes. Alors quels sont les problèmes pour nous, pour Port-Gentil ? Ben, comme vous pouvez le constater derrière moi, pourtant nous sommes dans un quartier qui théoriquement ne s'inonde pas trop, vous voyez bien que tout mon terrain est inondé. Donc ça prouve bien qu'il y a eu énormément de pluie et que l'eau ne s'infiltre plus. Cette eau aussi ne s'infiltre plus pour différentes raisons. D'une part parce qu'on a bétonné partout, et ça c'est un gros problème, bétonné, goudronné, ce qui fait que ça n'arrange pas les choses pour que le sol absorbe l'eau. Ensuite après, il y a aussi un problème, et ça que je révèle un peu, la subsidence c'est quoi? C'est que les villes s'enfoncent, nous particulièrement à Port-Gentil, puisque nous sommes situés sur une zone de sable. Les sables, c'est comme un roulement à billes, ça veut dire que petit à petit, ben, les choses s'enfoncent. C'est pas pour rien qu'on fait ici, paraît-il, des maisons avec des dalles mobiles. Donc c'est qu'il y a bien une raison. Et la ville s'enfonce, et ça c'est grave aussi. Parce que si la ville s'enfonce, ben, l'eau vient plutôt vers la ville que de partir vers l'extérieur. Donc il y a ces phénomènes-là. Ces phénomènes ne font que s'accroître du fait des intempéries beaucoup plus nombreuses et surtout beaucoup plus qui durent beaucoup plus longtemps. Et ça, malheureusement, les solutions seraient d'une part, comme je l'ai déjà dit, soit on s'attaque au vrai problème, parce qu'il y a aussi la montée des eaux qui ne facilite rien du tout, parce que quand l'eau, quand la marée est haute, eh bien, l'eau ne s'évacue pas des terrains ou des zones où c'est qu'elle est stockée, hein, donc à ce moment-là, eh bien, il n'y a pas de phénomène d'aller vers la mer. Donc il faut trouver des solutions. Ces solutions existent, je pense qu'il faut en discuter. Il y a trois possibilités, parce que de toute façon, Port-Gentil, pour moi, est condamné, au long terme. Je vais dire 50 ou 100 ans, Port-Gentil est condamné, malheureusement. Et ça me fait mal, parce que moi, j'aime bien ici, et j'ai bien peur que, malheureusement, ils disparaissent sous les eaux. Et ça, c'est la triste réalité de Port-Gentil. Ben, ces efforts consentis, c'est bien, mais je pense qu'ils ne sont pas à la mesure des problèmes qui sont actuellement ceux de Port-Gentil. Je sais qu'on me dira, oui, non, mais c'est une question de finance, mais dans ces cas-là, il faut chercher, il existe des financements pour régler ces problèmes-là. Le tout, il faut vraiment que Port-Gentil devienne une mairie sérieuse, et pas qu'on ait l'impression de donner de l'argent pour rien. C'est là aussi le vrai problème. Parce que si les gens investissent, et il y a des organismes, dans le monde des organismes financiers, qui financent, il y a la Banque mondiale, il y a, je crois à l'ONU, il y a une agence spéciale pour l'environnement, tout ça, il y a des financements qui existent. La seule chose, c'est qu'il faut proposer un projet qui soit viable et conséquent, qui permette de sauver notre ville. Et ça, il n'y a qu'en collaboration avec une ONG, et là je parle pour ma paroisse, il faut se mettre en contact avec des gens comme nous, ça c'est important. Ben, le mot de fin, j'espère que je souhaite bonne chance à notre nouveau maire dans tous ces problèmes-là, et qu'il y a des solutions qui existent. Le tout, c'est qu'on s'assoit, on en parle, et on essaye de mettre les solutions en place.